Good morning! Pour les gens qui vont sur YouTube, merci d'être là, je vous apprécie. Like, subscribe, écrivez un petit commentaire, dites que Dylan, qui fait une magnifique job d'éditing, t'es un Christy beau bonhomme. Pour vrai, Dylan, mets une photo toi live. Première journée de la semaine, Saguenay, mademoiselle Nancy, qui part la semaine un lundi. Nancy, hit me up! Nancy, ta job, c'est d'être commère au magasin général. Coudon, on est-tu en 1908? J'ai des magasins général, fait que ça veut dire, c'est que si tu cherches de l'huile d'olive, des jouets nostalgiques, des bonbons, on est spécialisé avant tout dans la nostalgie, mais pas rien que ça. On vend de tout, 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 au complet. Tout! Parle-moi... Et qui, ça faisait chaud, hein? C'est ça? Bon, wow! Parle-moi de ton souper. Ça faisait chaud! Nancy, je me suis vraiment forcée dans la présentation. J'ai peur de manquer de temps. Mais je vais forcer, je travaille vite dans la vie. Tout est meilleur perfect. Dans des assiettes fancy. C'est du stress, voici l'entrée. À cause qu'il est cru, là, là. J'imagine un tartare. Un petit vite, notre Denis. Denis! C'est quoi ta force comme autre? De faire en sorte qu'il soit à l'aise à la maison. De faire comme si ça serait des amis de longue date. Puis de faire en sorte de faire un souper plus que parfait. Je vais être un autre accueillant. Je pense qu'il va manquer de rien de nourriture. C'est lui, le pistachito, là. Simon, c'est ça? Je crois que les plats vont être suffisants. Pas trop gros, pas trop petits. Ils vont être juste bien dosés. Simon, pour toi, c'est très important, les bonnes manières. Quelqu'un qui se met les coudes sur la table, là, ça me... Oh, quand il y a... Les coudes sur la table, là, c'est quoi cette affaire-là? Si t'es de même, t'es un tout croche. Puis si tu te tiens sur rien, t'es juste de même, t'es une bonne personne. It makes no sense. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais eu quelqu'un dans mon environnement qui disait que c'était important. C'est uniquement les gens que j'aime pas, on dirait, qui disent ça. C'est pas mal, big! C'est pas mal! Plus qu'une fourchette, mais on... En plus, on est-tu bien de même? Si, mettons, t'es à côté de moi, je te regarde comme ça, là, je suis bien en crise. Je comprends pas. Who cares? Qu'est-ce que ça fait, là? On commence de l'extérieur vers l'intérieur, de pas piaquer, de pas saper. Saper, c'est quoi? Saper, c'est avec la soupe, fait... Le plat principal, arsou ici, tu mangeras pas de la tourtière à soir. Arsou ici, ça veut dire viens-t'en! Maïka, comment tu te décrirais? C'est une personne quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle dit? Arsout, ça va sauver un ton! Le plat principal, arsou ici, tu mangeras pas de la tourtière à soir. Arsou ici, ça veut dire viens-t'en! Oui. Saper, Louis, c'est pas comme. C'est pas juste comme tu bouffes. Avant, saper, c'est. Exister pendant que tu manges. Right? Hey! Wow! Voir que je t'ai entendu manger. Impossible, dude! Maïka, comment tu te décrirais? Je suis une personne qui a le cœur sur la main. C'est sûr que je donne beaucoup à ma personne. Je suis très caractérielle. Mon père dirait que je suis susceptible. Arrête, Chomel. Mon grand-père, ben, il dirait que des qualités de moi. Yeah, team grand-père! Le dessert. Arrête de faire simple. On est à Chicoutimi, pas New York. Un dessert bien classique d'ici, puis je sais pas New York. Toi, Clément Jacques, tu joues de la musique de temps en temps. Clément Jacques! J'en ai fait quand même pas mal dans ma vie, moi, ça fait... 38! Damn, le look, il y en a fucking plus. Bon, 14-15 ans là, que je fais ça. 4 albums à mon actif. Oh! C'est pas mal. Allons rejoindre okay. Nancy chez ses beaux parents. Bonjour Nancy. Allô à toi! Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue au Saguenay! Merci! Comment vous avez passé la route là, dans le parc des... Dans le parc, là, c'est ça, dans le parc. On a pogné une tempête. Okay. Oh non, mais c'est pas vrai. Il y a ça ou il neigeait? Les deux. Wow, quelle belle planche de bois. Not stage, oui, Simon en Trust. Effet, j'ai fait une belle planche à découper, puis une coupe à vin et marqué un souper presque parfait. Fait que chaque invité va pouvoir partir avec un souvenir. C'est bien. Il doit t'appeler du quoi? Clément Jacques, il fait du beat pour elle, lui. Et shit! OK. Ben beau, la planche puis les coupes, mais il faut le préparer, ce souper-là. Bien sûr! Allez, venez avec moi, on va faire un super de bon repas, vous allez voir. Un super de bon repas. C'est parti! OK, on commence par... Par quoi? Par ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est des pâtes fraîches que j'ai faites hier. C'est mon plat principal. Okay. J'ai essayé énormément de recettes, de variantes pour faire cette pâte-là. Je pense que j'ai trouvé comme les pâtes. Merci, Jean-Gousse! Excellent! Parle-moi de ton entreprise, ça m'intrigue. Tu vends quoi? J'ai plein d'affaires. J'ai des huiles d'olive. Parle-nous encore de ça, là. Parle-nous encore de ça. Parle-nous, plug-nous ton shito, là. J'ai des produits corporels, j'ai des shampoings, on a des bonbons. À la fin, on a un Walmart, mais c'est pas écrit Walmart dessus, genre. C'est ça? J'ai même des produits pour le café, j'ai des tasses, j'ai de tout, tout, tout. Puis le monde adore, là. J'ai juste des 5 étoiles sur Google. Ben oui, Google. Et la recette, ça avance? Pas vraiment. OK. Bon, là, on fait des petites roulettes. On va commencer à les aplatir. Qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce que tu fais?
Parle-moi de TikTok. TikTok, ça a changé ma vie. Du jour au lendemain, j'étais connue. Connue comment? Quand je m'en vais d'un restaurant, mettons, que les monde viennent me chercher pour prendre des photos avec eux, tu sais. Tu te fais demander en photo? Tout le temps, tous les jours. OK. C'est qui, ce madame-là? Je suis comme une petite fierté pour le monde de la région, surtout. Je pense que c'est surtout ça. Je sais ce que tu vis. C'est donc plein de fierté qu'on roule la pâte. OK, let's go, on roule la pâte. Ah, faire une dernière étape. Là, on va faire des linguinés. Ça coupe en morceaux. Ah, ça a l'air bon. Ah, et c'est bon cru, on dirait même. Hein? Bon, très bon. Je te crois sur parole. OK, parfait, numéro 1. Parce qu'elle a bouffé, j'étais comme, OK, dude. OK. Morceaux. Ah, ça a l'air bon. Ah, et c'est bon cru, on dirait même. Hein? Bon, très bon. Je te crois sur parole. OK, parfait. Numéro 1. J'en fais vite mon dessert, je crois. Ton gâteau arrête de faire simple. Ça veut dire quoi, au juste? Arrête de niaiser, là. Arrête. Arrête, là. C'est comme nous autres, on dit un cotard ou on dit un bas de soute ou des babouches, nous autres. J'ai des bourses. D'études? Mais une bourse pour vous, c'est une sacoche. Là, je veux pas casser ton fun, mais une bourse puis une sacoche. Une bourse en tête, c'est une bourse d'études, là. C'est un prix, là. Something. C'est pas la même affaire. Je me suis fait ramasser sur TikTok, là. Ouais. Apparemment, c'est pas la même affaire. Ben non. Apparemment, ben c'est ça. OK, là, on va fouetter. Thank you, oui! Bon, pour les gens à la maison, une bourse, c'est un petit sac arrondi destiné à contenir des pièces de monnaie. OK. Une sacoche est munie d'une courroie. J'aime ça quand c'est clair. Ah, cool. Attention, t'es Watch out! Ben là, faut pas que ça fasse. Okay, c'est quand même allé. Tout allait à se faire mal, là, c'ti. C'est les doigts qui disparaissent. Claire, attention à tes doigts! Ben là, faut pas que ça fasse. Que ça fasse un dégât. Bon, la crème fouettée est faite. On ajoute du jus de citron au fromage à la crème et on mélange. Ça comme ça. OK. Je vais faire ma croûte. Ça a l'air bon, mon nom, en dessous. Là, on va mettre ça dedans, dans un sac Ziploc, pour essayer de faire un. Comme gentil poche à douille, mais là, j'avais pas de budget pour ça, fait qu'on n'est pas acheté. Hein? Y en a pas à ton magasin? On dépose le dessert préassemblé au frigo. Ensuite, on fait quoi? Fait que on va couper le tartare. OK, le saumon. Toi, Nancy, tu parles en English. Hi, how are you? Oh, I'm fine, and you? Ah, non, mais sorry, excuse me. My English is very bad, OK? Thank you. Oh, tenchikutimi, tenchikutiyu. OK. On ajoute des oignons verts et des câbres au tartare. Magique. On ajoute de la sauce chili à l'ail. Ça, là, c'est de la mayo épicée. Il y a comme un bout de gossant, on dirait que... OK, tu sais, elle se fait filmer tout. On dirait qu'elle essaie trop, c'est gossant. Mais en même temps, c'est ça que c'est, tu sais. Elle se fait filmer, c'est correct qu'elle essaie, qu'elle se force. C'est juste comme on dit, t'es... On en met un peu aussi. Du Dijon. Comment dire? Comment dire? C'est comme ça? Ça va être piquante! Ben non, c'est pas fort de la sauce tabasco. Au Saguenay, le tabasco, c'est vraiment nice pour elle, Sam. Fait qu'on va couper des petits radis. C'est comme, I tried too hard, genre. Ça ici, c'est une pâte à wonton. Puis je vais prendre la moitié. OK. Quoi? J'ai pris des pâtes impériaux. Ouais. À place des pâtes à wonton. Oh, c'est-tu bien grave? On annule tout? On va goûter à ça, puis on va voir si ça goûte pareil. Encore de la pâte crue. Puis ça goûte-tu pareil? Non, ça goûte pas pareil. Mais on garde le sourire quand même! On met ça au four. C'est des chips, genre, c'est quoi ça? What the fuck is it? Fais ma sauce. La sauce pour les pâtes du plat principal. On met du vin. On y va au feeling. C'est la crème, c'est bon. Oh oui, c'est bon. OK. Prendre une tomate, bien... Nancy. À nous deux. Nancy, excuse-moi, Nancy. C'est sûr que 2000 piastres. Ah, tu le savais, tu me le disais pas, hein? Non, ben. Bon. Ça me semble que ça sent bizarre. Ça, ça gosse. Hey! Oh! Oh my God. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Oh! Amine! Elle est quand même cute, pareil, là. Elle est juste slightly gossante. Pas speed. C'est juste quand même une affaire correcte, là. Ouf! Ça me parle de son hostie de magasin, ma grande encore, là. Parfait. Hey, tu te rends-tu compte si j'aurais brûlé ça, hein? Si j'avais, c'est un détail. Off. As-tu des problèmes de four? Off. 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 C'est d'autres. Exact. Un code? Mais ça se peut pas. Ah, mais moi, gossant, quand ça peut être elle. Un gréement? J'imagine que c'est pas positif. Non, ben, j'ai ouvert deux ronds. Ah. Ben, ça marche. Ah, je pense qu'il marche. Ah, ça marche, ça marche, ça marche. Elle est contente? OK, ça marche. Dans la sauce à la crème pour les moules... Je comprends pas à quel point son four fonctionne. OK. On met du vin blanc, des oignons verts, des tomates. OK. Holy shit, mon four, il marche! Après ça, on va essayer d'éplucher le plus possible de crevettes. Et on les sac dans l'eau bouillante. On va pêcher des homards dans le frigo. Ah, je l'ai tout déjà fait. Ça évite de les tuer.
Moi, je veux pas voir aucun animal souffrir. Tu préfères les faire souffrir mort? Mais si tu tues pas toi-même, ça va pas un peu goûter le pet? Un mort de même déjà comme qui traîne? Ou ben à moins qu'il soit... Il a été kill le matin même, j'entends? Oh mon Dieu. Mais non, oui! T'inquiète. J'ai terminé! Tout le monde va voir mieux! Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? J'ai deux. Nancy prépare les cocktails pour ses invités. Du beau bling-bling rose, oh! C'est Denis qui arrive en premier. Allô? Bonjour! Bienvenue chez nous! Ben, chez mes beaux-parents. Allez, moi, je m'appelle Nancy. Oh, moi, j'ai un qui? Enchantée, Denis. Enchantée, elle garde un petit drink, là. C'est un petit Cosmo avec des brillants, des bling-bling, vodka à l'intérieur. Oui, il y en fait d'autres, mais c'est de loin son meilleur. Son mieux édité et tout. On va voir que c'est bien bon. Très bon. C'est son meilleur. Brand de loin. Un petit peu. Moi, je sais pas. Fait que je vais vraiment te mettre super à l'aise, ça. C'était lundi, connais pas les gens encore. OK. T'es un petit peu stressé, un petit stress. Ce qui me stresse, c'est le monde qui se cache dans Clément le bois. Clément Jacques! Oh, allô, Clément! Allô? Habillé en ballasse dans GTA. Je peux pas voir quelqu'un habillé de même sans penser aux gangsters dans la rue avec leur chemise ouverte in the middle. J'ai jamais compris ce look-là. Genre. Oh, hey, bienvenue! J'ai toujours associé ça à gangsters. Chez ma belle-mère, chez moi. Moi, je m'appelle Nancy. C'est quoi ton nom? Clément. L'accueil est très souriante, avec le beau soleil qui nous tapait dans la face. C'est numéro un. Mais je connais Clément. Je sais son nom de famille, Clément Jacques. Ouais. C'est un musicien. Ouais, ouais, si on veut. C'est comme c'est mon faux nom de famille. Mon faux nom. Fait que t'es des musiciens? Ouais, des fois. OK. Des fois. À temps partiel. À temps partiel. Ben, avant, c'était plus temps plein. Mais Luc Boivin te faisait bonjour. Ah, OK, OK. Tu connais Clément? À cause, tout le monde se connaît au Saguenay. Je connais Clément Jacques. Au Saguenay, en fait, c'est pas... Mais c'est une star. C'est le OG. Qu'on se connaît personnellement, tout le monde, mais il y a toujours un lien, je pense, à quelque part. Le père d'un tel peut être, bon, relié par rapport au travail ou quoi que ce soit. C'est une belle grande famille, dans le fond. J'ai hâte de voir si quelqu'un connaît Maïka. Allô, salut! Comment ça va? C'est quand même plus bad, là. Avant, c'était plus temps plein. Mais à moins qu'ils veulent plus en faire, tu sais. À moins qu'ils trippent plus à faire ça full time, là. Et moi, c'est Nancy, enchantée. C'est toi qui nous reçois? Ben oui, enchantée, bienvenue. Nancy, tu me dis? Oui, Nancy. Ça, c'est Clément et Denis. Toi, enchantée. Ton nom, c'est? Mon Dieu, que tu me dis quelque chose. Oui, ça se peut peut-être. Au Saguenay, il n'y a pas tout le monde qui se connaît, là. C'est juste qu'on se fusionne rapidement. Simon aussi est prêt à fusionner. OK. Ça fusionne facile, hein, au Saguenay? OK. Venez. Qu'est-ce qu'il a fait? Fusionne facilement. Simon. Nancy, tu me dis de quoi? Oui, on se connaît. On se connaît, hein? Oui. On se connaît d'où? Philippe. Oui! C'est my God! Donc, tu l'as déjà vu plusieurs fois. Plusieurs. Ben oui, ben Simon, oui. Enchanté. Non, c'est Simon. Mais Philippe, c'est mon ami que j'étais à l'école avec. Fait que ça, c'est un petit Cosmo. Okay. Dragon Fruit. Philippe. Bon. Merci. Ah, ça commence. J'ai mis de la vodka pas mal. C'est comme... Ça commence à OK. Non, mais on est mis pas ça mal. Ça goûte pas bien à tout. J'ai trouvé que ça avait... pas tant le goût. OK. Mais j'avais la gueule sans faire, t'as pas idée? Ouais, il y avait beaucoup de bling-bling, là, de que c'est? Tabard! Qu'est-ce qu'ils se disent, genre? Ma gueule sans crimette! Qu'est-ce qu'elle me raconte, là? Là, l'autre, elle a zéro reconnu, là. D'accord. Ça commence à pas. Non, mais on est mis... Elle avait soif, tu veux dire? Elle avait la gueule sec. Elle avait la gueule sec. C'est ça, Carl! Elle avait la gueule sec. Elle avait la gueule sans crimette! Je suis pas un gars. Prenez 5 personnes qui savent cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. Mais ça, au Saguenay, pas brillant, mais je trouvais que ça donnait un peu de côté. C'est vrai que ça ressemblait un peu à genre du des pleurs de licorne. Je sais pas trop comment le dire. Pour la semaine du Saguenay! Oh! Des pleurs de licorne? Wow! Ah, peut-être me gosser finalement la blonde. OK, ces hosties de produits big. What the fuck? Oh, mais... Saviez-vous ça qu'un magasin général? C'est parti. Tu peux avoir des picots, les pissés! Ils vont être frais pis mous, par contre, mais c'est de même, ça marche. Si. On est parti! Okay, on est parti! C'est beau. C'était pas clair, mais tu connais Simon? Oui, je connaissais Simon. Genre que je connais plus son chum que lui. Tout le monde se connaît ici. OK. Ouais, ça, je vais écouter maintenant. Ha 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 ha! Ça va, OK. T'as extreme sour. Après ça, celui-là, il est au garlic. Ça veut dire c'est à l'air. Mais comment ça, t'as tout ça, ces affaires-là? En grand magasin de renard? Ouais, non. J'ai l'intention de frencher dans celui-là, c'est quoi? C'est pas vrai! Mais là, quand je suis arrivée avec le mien, c'était écrit Big Papa, tu sais. Quand j'ai Big Daddy! Big Papa! Faut que je me regarde dans les yeux quand tu sors ça de mon sac. Ce cornichon-là est à manger pour veiller tard. OK, à goûter à Big Papa. Ça fait une signification qu'une saveur à Big Papa. Tu penses? C'est Laurent, tu le sors, là, mais fais-toi, là.
ça fonctionne pas, là. Big Daddy, là. Tout. Shoot-moi sur l'autre bord de la balcon. OK. Vous l'avez de face, vous préférez pour un café? Ouais, j'en regarde pas non plus, inquiète-toi pas, je t'en regarde dans les yeux. Puis, c'est bon? Ils sont tous dog shit, anyway, ces affaires-là. C'est étonnant de déguster un gros... Plus de plein de juice, putain! Pickle à l'écran, ça peut être... tu peux te mettre dans la marde. Je sais pas. OK. Entre deux bouchées de Big Papa, okay. On retourne en cuisine. Intéressant. On termine la préparation du tartare avec des jeunes pousses, des croûtons de pâte pour rouleaux impériaux et de l'huile d'olive. Okay. Voici l'entrée. À cause qu'elle est crue, là. Un crouton? C'est un tartare de ça. Y a-tu un petit plat avec des croutons au milieu? Non. Bon appétit. C'était vraiment mon genre. La portion était pas trop grosse. L'assaisonnement était parfait. J'ai adoré. Son tartare de saumon est excellent. Je sais pas pour les autres, mais il était très relevé. Moi, pour ma part, c'est parfait. J'ai jamais mangé de tartare de ma vie, moi. Pour vrai, c'est ton premier ever? C'est mon premier ever, oui. Il est relevé à juste parfait. Un beau baptême. J'ai apprécié, considérant que j'ai pas tout mangé. Le Clément Jacques, il a la semaine, par contre. Beau baptême! C'était bien. Le tartare, j'ai vraiment aimé. Par contre, les radis, ils donnaient un goût piquant. Ah! De supplémentaire, ce qui était pas nécessaire. C'est... Un radis piquant, bien. Tu fais en what, le gars, là? Hé, hey, le radis, là! C'était piquant, là. Tabarnak! Franchement, c'est bol. Le gars le plus blasateur. Noté, Simon. Hey! Bon, les radis! C'est réglé. T'es prête pour le plat principal? Non. J'admire ta franchise. Là, faut le faire là. Ah oui, oui! On gosse encore un peu avec le four. Je me suis pratiqué tantôt. Ouais, OK, ça. Marche. Je pense que ton chaudron a fermé ton rond. Ok, tantôt j'étais chien avec elle, bon, c'est pas chez eux, je vais me rappeler. C'est pas si c'est sa belle-mère, le coup de genre. C'était chien, là. T'es comme. Comment ça, elle est fière que le faux il marche, mais c'était pas le sien. J'étais comme, ah, sorry about that. Ton chaudron. On ferme ton rond. Et maudit four. Ok. Ok. Ça marche plus, là. Tantôt ça marchait, puis là, il a décidé de. De faire simple. Eh non, mais là, je peux pas passer. À cause! En effet. Bon. À cause! On dépose les pâtes dans l'eau chaude. On s'occupe des pétoncles. OK. Mes pâtes sont prêtes. Excellente nouvelle. Juste les virer rapidement. Regarde. Yep! Voilà, on vient de perdre un pétoncle. On sent une légère panique. Et comment on fait pour prendre ces pâtes? C'est le désastre! Ça? Oui, ça, c'est une fourchette à rôti. On ajoute la sauce. Bon, ça cuit plus lent. La sauce, c'est quoi? C'est de l'eau, là? On ajoute la sauce. Bon, ça cuit plus lent. On se bat, hein? S'arrêter de... Encore le maudit four! Ça, il aurait pu continuer à cuire en même temps. On tourne en rond. Une fois, deux fois. Je suis comme perdue. Ça paraît presque pas. On met les fruits de mer au micro-ondes. Tabarnak! On les met dans l'assiette. Vite, il reste une minute. Wow! Et ça a réussi pas le coup, là. Oui. Allez, chop, chop! On y va. Allons-y! Oh, c'est pas parfait. Quoi? Ah ben non, mais pas le temps. Go, go, go! C'est ça l'air pas pire, quand même. Non, c'est un concours, là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah! Le plat principal, Arsou ici, tu mangeras pas de la tourtière à soir. OK. OK. Les pétons, j'en suis vraiment, le nez des moules. Ah, moi, j'aurais... Hey! Gaï! Qu'est-ce que ça a foncé dans le mur? Hey! Gaï! What the fuck? Je suis quand même ma mère. Ouais, t'as fait ça juste. Envoyer dans le port! Ouais, regarde, c'est pas grave. Là. Ah non, mais tu sais, mettons, ben non, j'ai pas eu mal, là. Mais on regarde ça pour les bloopers. Ok, au moins. Ouais. J'étais mal pour elle, pauvre titre. Hé! Hé! Tu dis, toi. J'étais mal à l'aise pour elle, là. Et si boulot que ça a failli tout envoler, là. J'ai adoré voir le rideau faire popper de même dans la vitre. Hey! Hey! C'est vraiment Nancy tout craché dans ma tête à moi, là, un petit peu malade. Vous connaissez bien, là. C'est ta grande chum. What? Mais elle est si fine pis si belle. Dude, on se connaît, nous autres. Ah ouais? Ça, c'est insultant. Faisant ça, elle s'est toute bien rattrapée comme une princesse, là. 10 sur 10, Nancy. C'est sûr que j'ai rien de tomber, fait qu'on va juste... Non, c'est bien correct. Pétons. Donc, c'est des pâtes fraîches faites par moi tantôt, avec des crevettes au mort. Faites par moi tantôt. Tout le monde. Wow. Hey, merci beaucoup. Bon appétit. L'accent est insane. Des pâtes fraîches faites par moi tantôt. Non, c'est bien correct. Pétons. Donc, c'est des... Tant pas faire chier, là. Il est full fin. C'est lundi, on est gêné. Je trouvais ça audacieux de sa part d'en servir quatre différents. Pour vrai, tout se mariait super bien. Je dirais que c'était réussi.
Les recettes audacieuses de Nancy sont disponibles sur nouveau.ca ainsi que le formulaire de description. Pretty good. On est rendu au dessert, de la bière noire et de la liqueur. Comment qu'elle verse ça, Carlis? Quoi? Ça veut sûrement une mousse, ouais. C'est quoi ce twist-là? De la bière noire et de la liqueur. Hmm. Ah, mais ça part un petit café. On the side! On va juste couper des petites fraises rapido presto. Yep, pas d'air rapido presto en temps. Attention à tes doigts. OK, parfait, numéro 1. On ajoute la confiture achetée. Tu t'en vas où? Je te laisse. Ah, bah oui! Hein? Restez là, parler, là. Mais pourquoi c'est pas ouvert, ça, justement? T'as juste 10 minutes. Allez, pas changeons ton verre. 10 minutes, là. Bye-bye. Bon, vite, là. Es-tu certaine que c'est une bonne idée de mettre des jujubes aux pêches dans ta liqueur à la crème? C'est ça, je me disais. Non. Non, non. Un beau gros jujube grenouille sur le top du grand art. J'ai bien hâte de voir. Qu'est-ce qui se passe, man? Comme, ça sort correct, mais elle fait n'importe quoi. Combien d'autres? À suivre, le dessert. Elle veut tout le temps plugger ses osticochonneries, là. Arrête de faire simple, on est à Chicoutimi, pas New York. C'est un petit gâteau au fromage avec une confiture, fraise et... Puis j'ai collissé un bonbon sur le top. Avec un petit bonbon léophilisé à la grenouille. Fait qu'on va commencer par le shot de la bière noire avec un... une liqueur. Fait que santé tout le monde. Un riche carbone! Merci, merci. Moi, j'aime pas la bière. Fait que la bière noire avec un shooter, ouf. Ben moi, je suis une personne qui aime pas la bière en partant. T'arrives avec le verre, tu prends ça, puis le restant, là, ça colle dans le fond, puis t'es pogné pour boire ça. Fait que j'ai décidé de tasser la bière, ouais. Je pense que c'est un petit shooter de trop. On aurait pu m'apporter sans dessert. Ça... Bunch of pussies, dude! C'est bon, Orange Carbum, là. Come on, là. Regarde bien. T'as-tu vu le chanteur chialer, dude? He ain't no bitch. Son dessert était bon, mais par contre, peu importe quel dessert que tu vas servir dans un pot maçon en étage, déconstruit, whatever. Hey, t'as-tu vu comment il mange? Le coup de sa table, il est de même. Et l'autre à côté, il devait fulminer, mais... en train de lui donner une claque. Ça aurait pu être mieux présenté. Le gâteau au fromage était particulièrement acide. Son fromage, il était pas coupé assez, là. On coupe l'acidité du fromage avec du sucre, puis il y a ce bout-là qui manquait. C'était bon. Okay. Je pense qu'on est capable de voir une barre plus haute que ça pour une compétition. Comment t'as trouvé le bon léophilisé à la grenouille? T'as un bon goûté? Bon. Ouais. Grenouille. Tu veux-tu la mienne? Non. C'est bizarre, on va dire, hein? Tu veux-tu ma grenouille? T'es mieux aussi. Wow! Y'a un coup de santé, bastille! Fuck la bière. Tu veux-tu ma grenouille? C'est mieux ça que... Tu lui fais quoi? He's crazy! Dire, Danny, tu veux-tu mon pickle? Mon big papa. Tu veux-tu mon big papa, Danny? Hey, on n'aura jamais su c'est quoi, là, ça va un big papa, hein? T'es au dick pickle. T'es au... Au dick pickle? Au dick pickle. That's a keeper. Elle tout prend son sens. Deal pour Annette, là. Big Papa, c'est au dick. Tes commentaires sur la soirée, Maïka? Nancy, je pense que ça a été une bonne hôte qui a été accueillante, mais peut-être qu'elle s'est mis... Trop try-hard, la bonne femme. Trop try-hard. 26. Une charge de travail qui était quand même 25. Importante. Je pense que ça l'a dépassé, ça l'a fatigué, puis c'est tout en son honneur quand même. Là, 24 pour le bonbon dans le gâteau de la crise de mardi. On va relever le défi. Vos notes sur 10. Pour le speed Nancy ce soir, son entrée de tartare était excellente. Je lui donne la note. Un 8. Exact. Pour la soirée de Nancy, je donne la note de 7. Yes. Je donne la note de 9. Je donne... What? Mais voyons donc! Hein? Makes no sense! Non! C'est la pote de son chum, là. Ça va bon, là. La note de 6 à Nancy. Comment ça va, Nancy? Dirais-tu que t'es un tout petit peu pompette? Non. Non? Non, j'ai pris une coupe de vin. Non, mais tu parles en lettre attachée, non? Non, pas du tout. C'est toi qui parles, Ben oui, c'est ça. Elle parle même, oui. Belle soirée, okay. Malgré tout. De quoi es-tu le plus fier? Mon plat principal! Pourquoi? Parce que j'ai réussi à le mettre à terme. Il y avait quand même 5 fruits de mer. En effet, t'as mis les fruits de mer à terme. Combien tu penses avoir sur 40? En 28 et 30. Tu as la note de 30. Ça répond à tes attentes. Et ça part bien la semaine, là. Bon, qu'il y a donné 9, je suis en bas. Makes no sense. What? Oh là! Demain, ça brasse.